En vue du lancement de la nouvelle saison sportive en football jeune, la structure Semence Olympique à travers son président Pascal Atangana balise les contours afin de prendre cette compétition qui pointe à l'horizon à bras le corps. Telle est la substance d'une conférence de presse tenue ce 27 avril 2023 à son siège 6 au quartier Nlonkak, arrondissement de Yaoundé 1er, département du Mfundi, région du centre. Pour cette première compétition jeune sous l'air et office, les attentes sont multiples. Quand une équipe va en Coupe des Nations, on fait l'IRM. Si 4 personnes sont prises, vous êtes complètement éliminé. Mais si 3 sont prises, si 3 personnes sont prises, elles sont mises de côté. Ça ne dépend pas de nous, hein, là où nous allons là. Ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi vous avez dit on pouvait bien faire si j'étais là. La pièce d'identité étant indispensable pour la traçabilité et le suivi des jeunes joueurs, il est important de mettre ce document à jour pour l'ensemble des clubs attendus à prendre part à ce rendez-vous annuel. Chez nous, à Semence Olympique, les parents en réclament. Donc, comme vous avez déjà prévu la préparation de la carte d'identité comme ça, vous prenez vos dispositions, vous saisissez votre chance et vous êtes le mieux. Je ne suis pas l'organisateur, mais j'espère qu'avec ce qui commence, il y a des grognes. Non, ça c'est des grognes pour rien. La date officielle du lancement de cette saison n'étant pas encore connue, les préparatifs se poursuivent sereinement au sein des différentes équipes affiliées.